Et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale dédiée aux Nuits des Étoiles d'hiver 2022, seconde édition de ces Nuits des Étoiles qui sont organisées par l'Association française d'astronomie, soutenue par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, donc Jeunesse et Sport, mais aussi par la société MEDAS qui commercialise la marque Célestron et qui est fidèle aux activités de la FAET Ciel et Espace depuis le XXe siècle. Alors, il faut évidemment remercier nos soutiens et vous remercier, vous qui allez suivre ces Nuits des Étoiles, mais aussi sans doute les organiser pour une partie, puisque ces nuits qui ont lieu donc d'aujourd'hui, date d'enregistrement, samedi 22 jusqu'à samedi prochain, samedi 29, s'étale sur une semaine et pendant cette semaine, une cinquantaine de lieux physiques se proposent de vous accueillir pour regarder ce ciel d'hiver. Vous pouvez bien évidemment retrouver leurs adresses sur le site internet de l'Association française d'astronomie, donc de l'AFA, qui vous propose aussi individuellement de regarder et de télécharger des soirées d'observation virtuelles qui vous aident à préparer et observer ce ciel d'hiver. Alors, ce ciel d'hiver est un ciel qui, contrairement à l'idée reçue, est un ciel assez exceptionnel par rapport au ciel d'été, puisque d'abord ça démarre tôt, la nuit arrive assez tôt, et puis ce ciel d'hiver est un ciel tout à fait magique, tout à fait merveilleux. Et pour le découvrir et pour l'explorer, donc pendant cette heure d'émission, eh bien nous allons avec les différents intervenants que je vais vous présenter, investiguer, découvrir, plonger dans ce ciel. Donc, en compagnie de Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, laquelle ce numéro que vous trouvez en kiosque, si vous n'êtes pas abonné, le voici. À l'intérieur de ce numéro, vous découvrirez une carte du ciel, qui est la carte du ciel des nuits des étoiles d'hiver, qui vous permet justement de suivre un petit peu les présentations que nous allons vous faire maintenant, avec aussi Pierre Henriquet, qui est médiateur scientifique et qui va nous faire découvrir ce ciel avec la faconde qu'on lui connaît et surtout la connaissance du ciel, avec Émilie Martin, qui est chef de rubrique à Ciel et Espace. Et Émilie qui parcourt le monde pour nous raconter l'histoire de l'astronomie, les observatoires et qui a aussi son regard sur l'actualité astronomique et spatiale du moment, avec Jean-Luc Devergne, qui est tout le monde connaît Jean-Luc aussi, chef de rubrique à Ciel et Espace, journaliste spécialisé dans les instruments, l'observation, la photographie, et qui va nous être très très précieux qui va nous aider à comprendre ce que l'on peut faire et ce que l'on peut observer en ce moment. Et puis, avec Marine Martin-Lagarde, qui est astrophysicienne à l'Agence spatiale européenne, et avec qui nous allons parler du James Webb, qui, dans les 24 heures, 48 heures qui arrivent, devrait finir cette course absolument incroyable qui consiste à se mettre en orbite au point L2 de Lagrange. Et donc, Marine Martin-Lagarde, qui est ingénieure aux avant-projets scientifiques à l'Agence spatiale européenne, va nous parler de pas l'intégralité, évidemment, du programme du James Webb Télescope, mais des possibilités d'observation des atmosphères de planètes extrasolaire, le tout sous la férule de notre réalisateur Adrien Denel, à qui vous pouvez bien évidemment envoyer des questions et qui se fera un plaisir de nous les relayer. Voilà, excusez-moi pour cette présentation un petit peu longue, mais c'est extrêmement important de dire que cette émission est préparée et soutenue par beaucoup de regards et beaucoup de talents. Voilà, je voulais commencer avec vous, Pierre Henriquet. Pour dire déjà à tous ceux qui nous écoutent que finalement observer le ciel d'hiver, c'est démarrer assez tôt et en particulier, ça consiste d'abord vraisemblablement à savoir où nous sommes, se repérer et regarder tout simplement la disparition du jour, Pierre.
C'est ça, exactement. Bonjour, bonjour à tous. L'hiver, c'est d'une manière générale une période, une saison que les astronomes aiment beaucoup, professionnels, amateurs. Alors certes, il fait un petit peu plus froid, certes, il y a parfois des problèmes météo, mais on a l'avantage, ben justement, que premièrement, le soleil se couche beaucoup plus tôt, donc on peut commencer à faire des observations dès des heures comme 18h30, 19h, 20h. Donc effectivement, les nuits sont beaucoup plus longues, donc on peut faire beaucoup plus de choses. Et puis en hiver, il fait aussi beaucoup plus froid. Et ça aussi, ça a un impact sur la qualité des images, puisque l'atmosphère, vous le savez, elle est très turbulente, elle bouge beaucoup, c'est ça qui fait scintiller les étoiles, elles ne scintillent pas réellement ces étoiles. Et en hiver, eh bien, l'atmosphère est plus calme, l'humidité dans l'air a tendance, quand il fait très froid, à geler. Et donc, on a souvent des conditions atmosphériques qui permettent de faire d'encore meilleures images. Voilà. Alors, bah, je peux vous le montrer, d'ailleurs, parce que, on va utiliser un petit logiciel que j'aime beaucoup utiliser, qui permet de voir plein plein de choses dans le ciel, de se préparer un peu à l'observation. Un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Stellarium. Donc vous tapez sur Google Stellarium, vous allez le trouver. Je vais partager mon écran. Voilà. Et on se trouve ici, bah voilà, chez nous. Alors, moi, je l'ai calé sur Lyon, parce que je suis à côté de Lyon, mais Lyon-Paris, pour les choses que l'on va regarder ce soir, c'est à peu près la même chose. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que le soleil, justement, va petit à petit se coucher ce soir à l'horizon. Et rien que le coucher de soleil, c'est quelque chose qui en soi peut donner lieu à des images absolument somptueuses. Alors, il faut des conditions qui sont parfois un peu spéciales, mais vous voyez, si j'accélère un petit peu le temps et puis que je laisse le soleil se coucher, on arrive au crépuscule, donc ce moment comme ça entre le jour et la nuit. Et ça, eh bien, c'est un moment quand on regarde à l'ouest, donc du côté où le soleil se couche, dans de très bonnes conditions. Eh bien, on peut commencer à voir des phénomènes. Alors, Adrien, si tu peux montrer le schéma de la ceinture de Vénus. Cette ceinture de Vénus, alors il y a plein de photographes, hein, qui l'ont déjà pris en photo. Je vais rajouter un petit élément. La ceinture de Vénus, c'est quelque chose qui. C'est le moment où le ciel devient légèrement noirâtre au-dessus de l'horizon, mais encore rosé au-dessus de l'horizon. Et en fait, la ceinture de Vénus, c'est justement cette couche rosée qui est due donc à l'interaction de la lumière du soleil avec l'atmosphère. Et en dessous, cette partie noirâtre qui se trouve au-dessus de l'horizon, et ben ça, c'est un phénomène fantastique parce que c'est l'ombre de la Terre qui se projette comme ça dans l'espace, au loin de nous. Eh bien, on peut voir l'ombre de la Terre. On appelle ça aussi l'arche anti-crépuscule, enfin l'arche crépusculaire. Il y a des mots qui sont un peu techniques, mais qui donnent tout le temps lieu à des observations que l'on peut faire simplement. Vous voyez, ça se fait à l'œil. On peut prendre en photo avec son téléphone portable, et ça permet déjà de toucher du doigt quelque chose comme l'ombre de la Terre. C'est quand même pas rien. Voilà. Et puis une fois que la nuit va vraiment finir par arriver, ben, on va commencer à avoir les premiers astres qui apparaissent dans le ciel. Et quand les premiers astres apparaissent dans le ciel, alors souvent il y a un nom qu'on entend souvent, c'est l'étoile du berger. Alors, je reviens ici, l'étoile du berger. Il y a plusieurs définitions. Certains disent que l'étoile du berger, c'est la planète Vénus. Alors c'est bien, mais du coup, quand la planète Vénus n'est pas visible, bah, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus l'étoile du berger, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien la définition qui dit que l'étoile du berger, c'est le premier astre que l'on voit, le premier astre visible le soir. Et je dis bien astre et pas forcément étoile, parce que bah, typiquement, par exemple, ce soir, vous voyez, quand le soleil va se coucher, eh bien, la première chose que vous allez voir briller au sud-ouest, au-dessus de l'horizon, bah, ce n'est pas une étoile, mais ce gros point lumineux qu'on voit en ce moment tous les soirs, eh bien, c'est la planète Jupiter. Le mois dernier, le mois d'avant, on avait Vénus, justement. Mais petit à petit, vous le savez, les planètes se déplacent dans le système solaire et certaines sont plus ou moins visibles. Donc maintenant, Vénus est quasiment plus visible, mais c'est vraiment Jupiter qui fait le spectacle et qui est donc la plus grosse planète du système solaire. Et même si elle est à plus de 700 millions de kilomètres de nous, eh bien, sa surface va réfléchir largement assez de lumière pour qu'on la voie apparaître au tout début de la soirée. Et ensuite, bah, elle va continuer de se coucher. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas la voir toute la nuit. Rapidement, elle va passer sous l'horizon. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, la Terre continue de tourner.
Donc, nous, depuis la Terre, on continue à avoir l'impression que toutes les étoiles alors, se couchent du côté ouest, mais vont se lever aussi du côté est. Alors, on reparlera tout à l'heure justement de toutes ces étoiles que l'on peut voir, comment est-ce qu'on peut se repérer à l'intérieur. Juste avant de terminer, un autre phénomène qui est très joli, Adrien, si tu peux nous le montrer, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Alors, ça aussi, c'est une jolie interaction entre la lumière du soleil, mais qu'on peut voir seulement quand la nuit est là. C'est assez chouette. C'est en fait une zone du ciel. Alors, il faut vraiment des conditions célestes absolues, d'une pureté extraordinaire. Il faut aucune pollution lumineuse. Donc, il faut pas être à côté d'une ville, pas être à côté d'un village. Il faut pas un lampadaire à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Ces conditions sont difficiles à retrouver. On les a souvent dans les déserts, hein, par exemple au désert de l'Atacama dans le Chili, là où sont parmi les plus gros télescopes du monde. Eh bien, on voit sur l'image que tu as dû montrer, parce que je la vois pas encore, donc je vais le faire en... Ah si, ça y est, je la vois. Bah, sur cette image, voilà, on voit une espèce de V au-dessus de l'un des télescopes du Chili, de l'ESO, de l'Agence australe. La partie droite du V, c'est la Voie lactée. La Voie lactée, donc sont toutes les étoiles de notre galaxie que l'on voit dans le ciel. Et puis, si vous regardez bien sur la partie gauche de l'image, eh bien, vous avez une autre branche du V, une branche qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine. Eh bien, ça, c'est la lumière du Soleil qui va se réfléchir dans toutes ces petites poussières qui tournent avec les planètes dans le système solaire. Et comme nous, on est dans ce système solaire, donc c'est un plan, comme ça, un grand plan qui tourne autour du Soleil, toutes les planètes tournent à peu près dans le même plan. Et donc, toutes ces petites poussières, eh bien, elles vont être légèrement lumineuses. Et du coup, ce que vous êtes en train de voir là, c'est le plan du système solaire. Donc, vous voyez que le système solaire, il est incliné par rapport à la Voie lactée. C'est pas la même chose. Et donc, on peut voir ces deux phénomènes. Donc, cette lumière zodiacale, et puis elle se poursuit dans le ciel, elle devient de plus en plus faible, mais si on regarde vraiment encore plus loin dans le ciel, de l'autre côté du Soleil, quand on attend que la Terre ait tourné, eh bien ce petit bandeau très très faiblement lumineux, eh bien continue à être visible. Ça s'appelle le Gegenschein en allemand, c'est-à-dire littéralement la lumière qui se trouve de l'autre côté du Soleil. Voilà, tous ces phénomènes-là, avant même d'observer les étoiles, on peut voir plein de choses dans le ciel dès que le Soleil se couche. Merci beaucoup Pierre. Comment dire, la lumière zodiacale est un indice de qualité du ciel. Les premières étoiles sont arrivées. Je le disais, un outil indispensable pour observer ce ciel d'hiver, c'est de disposer aussi d'une carte du ciel physique. On l'a insérée dans le dernier numéro de Ciel-Espace que vous pouvez trouver en kiosque si vous n'êtes pas abonné. Philippe, ça reste... toujours un outil extrêmement indispensable que d'avoir une carte du ciel à sa disposition. Est-ce que tu peux nous rappeler comment, par le principe, elle fonctionne? En mettant ton micro. Voilà, Voilà. oui, cette carte, effectivement, c'est tout simplement la clé qui va vous permettre d'entrer dans le ciel, parce que, elle montre les principales étoiles visibles à l'œil nu. C'est pas une carte extrêmement précise, puisqu'elle montre l'ensemble de la voûte céleste. Il ne vous a pas échappé, comme tu l'as montré, qu'elle était, circulaire, et que tout autour, on a les points cardinaux qui sont indiqués. Alors, si vous savez, en étant chez vous, de quel côté est le sud ou de quel côté est le nord, ce qui, en principe, doit être le cas, il suffit de tenir la carte devant soi, ce n'est pas la peine de la mettre au-dessus de la tête, devant soi, avec le point cardinal auquel vous faites face, en bas. Par exemple, le sud, ben, il faut que vous puissiez lire le sud, peu importe l'orientation des écritures qu'il y a sur le reste de la carte. Si vous êtes face à l'ouest, mettez l'ouest en bas et regardez le ciel que vous avez en face de vous et vous allez reconnaître les étoiles qui sont sur la carte. Si vous ne savez pas du tout, si vous venez de prendre l'avion, vous êtes arrivé dans un coin que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où est le nord, où est le sud, eh bien regardez d'abord le ciel et cherchez un repère. Alors ce repère, en général, c'est la Grande Ourse. C'est donc la grande casserole. Ce sont ces sept étoiles, je ne me trompe pas, oui, sept étoiles qui dessinent une casserole vue de profil avec le manche. Alors, en cette saison, vers 22h30, comme c'est l'heure indiquée sur la carte,
le Manche est vers le bas, vers l'horizon nord-est. Mais si vous trouvez la casserole, alors vous pouvez récupérer tous les points cardinaux, quelle que soit l'heure, puisque cette casserole va être visible tous les jours de l'année, toutes les nuits, à n'importe quelle heure. Il vous suffit de prolonger la droite qui relie les deux points qui forment le bord de la casserole opposée au Manche. Vous reportez 5 fois vers le haut de la casserole cette distance et vous allez tomber sur une étoile qui est relativement brillante. Elle n'est pas extraordinairement brillante, mais c'est la seule dans cette zone du ciel qui brille relativement bien. Elle est toute seule et c'est l'étoile polaire. Et celle-là, elle est toujours au même endroit dans le ciel, quelle que soit l'heure, le jour, la saison. Et donc cette étoile, comme son nom l'indique, étoile polaire, elle indique le pôle nord. Donc quand vous faites face à l'étoile polaire, qui est quand même assez haute dans le ciel pour les latitudes moyennes boréales, eh bien vous faites face à l'horizon nord. Donc vous avez récupéré un moyen d'orienter votre carte et ainsi de retrouver tous les autres repères. Merci beaucoup Philippe, le ciel est là, la méthode est maintenant connue, les outils sont disponibles, ne manque plus finalement que les conseils aux observateurs. Jean-Luc, observer le ciel d'hiver, est-ce que cela suppose des précautions particulières en sachant que on a déjà compris qu'il nous fallait un horizon plutôt dégagé, on a la menace du froid. Comment fait-on, comment débute-t-on l'observation du ciel d'hiver et avec quels instruments ? Avec du son, c'est un petit peu mieux. Si tu réussis à régler, voilà, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de son. On ne t'entend pas, Jean-Luc. Oui. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. C'est parfait. Ah, c'était juste un. Ouais, d'accord, c'était juste une prise branchée à moitié. Je disais oui, la chose la plus importante à l'hiver, ça va être de se protéger du froid. Enfin, ça a l'air d'être d'une banalité de le dire comme ça, mais en fait, quand on est la nuit, notre corps rayonne vers le fond de ciel et le fond de ciel est beaucoup plus froid la nuit que le jour. S'il fait en température ambiante 0 degré le jour, c'est pas pareil que 0 degré la nuit, on se refroidit plus vite. Et ce qui est important en particulier, c'est de s'isoler du sol aussi. S'il y a eu une période de beau temps, le sol se refroidit beaucoup et c'est aussi un endroit où on perd beaucoup de chaleur. Donc, avoir des chaussures bien, bien chaudes, c'est utile. Et un truc qui n'est pas forcément intuitif, c'est qu'il faut éviter d'empiler 12 paires de chaussettes, par exemple, sinon le pied va être comprimé dans la chaussure. Et en fait, ce qui nous isole du froid, c'est l'air. Donc, il faut avoir des chaussures plutôt aérées, en fait, avec des chaussettes éventuellement épaisses, mais qui ne soient pas écrasées dans la chaussure. Donc ça, c'est vraiment la chose de base à laquelle il faut penser. Puis après, évidemment, on va essayer autant que possible de s'éloigner des villes pour essayer d'avoir un bon ciel. En hiver, on a une belle Voie lactée quand même, mais la Voie lactée d'hiver est moins lumineuse que la Voie lactée d'été. Donc elle est un peu plus exigeante en termes de qualité de ciel pour être appréciée. Elle traverse la constellation d'Orion. Et où qu'on soit en France, en général, si on se donne la peine de faire une heure de route, normalement, il y a toujours un endroit avec un petit peu de ciel noir accessible. Donc pour ça, il faut voir les cartes de pollution lumineuse. Je t'en avais envoyé une, Adrien, je ne sais pas si tu l'as sous la main. On a les cartes de pollution lumineuse de la France. Et en fait, il faut s'appuyer vraiment sur ces cartes de pollution lumineuse pour voir quels sont les endroits où on peut aller observer. Il faut tenir compte aussi, en plus de ces cartes, quand même de l'altitude. J'ai remarqué, par exemple, dans le cas qui nous concerne, autour de Paris, aller au sud de Paris, en rase campagne, où on est à peut-être 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce n'est pas du tout la même chose que de faire une heure de route plein est, où on arrive déjà en Champagne et on se retrouve facilement à 200, 300 mètres d'altitude. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça fait une grosse différence sur la qualité de ciel. Donc, si on a un petit peu de relief autour de chez soi, il ne faut pas hésiter. Il y a des zones qui sont un peu pas forcément peuplées, enfin pas forcément prisées touristiquement ou quoi, mais qui sont excellentes. C'est le cas du Morvan, où d'ailleurs il y a des programmes de construction, de projets, d'observatoires, etc., qui se construisent. Et du coup, là, ça fait partie des meilleurs ciels de France et qui ne sont pas tant que ça exploités. Et après, il ne fait pas tout le temps beau, mais ça, c'est un peu vrai pour toute la moitié nord de la France. Est-ce que tu conseilles, un certain nombre d'instruments? Est-ce qu'on démarre à l'œil nu pour essayer de se repérer d'abord et ensuite on prend une paire de jumelles pour se promener dans le ciel? Est-ce que la stratégie est la même, si je puis dire, que le ciel d'été, c'est-à-dire qu'on a,
On apprend d'abord à se repérer et ensuite on essaie de voir un peu plus loin. Oui, bah moi, les paires de jumelles, c'est un peu mon dada. Donc, évidemment, oui. Souvent, les gens sont déçus quand ils débutent, quand on leur dit commencer avec une paire de jumelles, parce que tout de suite, ils veulent passer à un télescope. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que lorsqu'on débute, si on achète une paire de jumelles correcte, on trouve des modèles intéressants autour de 200 euros, même un peu moins. Je pense au Bushnell Legacy en 10-50. C'est une paire de jumelles à peine vendue 150 euros et qui est d'un très bon rapport qualité prix. C'est une paire de jumelles qu'on va pouvoir garder. Bon, évidemment, si on dépense plus, on a mieux. Hein. Ça va de soi, mais c'est déjà un produit très, très honnête. Et ça, c'est une paire de jumelles qu'on va pouvoir garder. En fait, quand on regarde la Voie lactée, on a une vision qu'on n'aura jamais à travers un instrument. Alors, elle va être un peu prolongée par une paire de jumelles, mais dès qu'on prend un télescope, on n'aura jamais cette sensation de voir une galaxie qu'on peut avoir à l'œil nu ou avec des paires de jumelles qui ont un très grand champ. Et là, dans le ciel d'hiver en particulier, on a l'amas ouvert des Pléiades, par exemple, on voit que 7, 8 étoiles à l'œil nu dès qu'on prend une paire de jumelles. C'est des dizaines d'étoiles. Juste à côté, il y a l'amas des Hyades, à côté de l'étoile Aldébaran dans le taureau. Et ça, c'est pareil, ça devient un foisonnement d'étoiles. Et n'importe quelle zone de la Voie lactée, de la même façon, devient un foisonnement d'étoiles avec la paire de jumelles. Donc, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Et on a même, depuis quelques années, des paires de jumelles rigolotes qu'on appelle des yeux de hibou. C'est des paires de jumelles qui grossissent à peu près deux fois. Ça semble ridicule. Mais en fait, l'intérêt, c'est surtout de capter quatre fois plus de lumière qu'à l'œil nu en ayant une perception proche de l'œil nu à deux fois. Donc, on en trouve chez quelques marques, chez le modèle d'Omegon est bon, le modèle de Vixen aussi, pour ceux qu'on a testé. C'est à peu près les deux modèles les plus intéressants à aller chercher. Et donc ça, pour apprécier justement une constellation comme la constellation d'Orion, qui est très grande, avec des grandes nébuleuses, la nébuleuse d'Orion à l'œil nu. À l'œil nu, on voit quelque chose de plus clair au niveau de la nébuleuse d'Orion, mais c'est assez ponctuel, c'est surtout les étoiles au centre. Par contre, dès qu'on passe avec n'importe quelle paire de jumelles, on va commencer à voir que c'est un petit peu nébuleux. Et puis après, évidemment, pour prolonger ça, n'importe quel télescope fait l'affaire. Hein, et bon, après, c'est toujours la même règle. Plus il est gros, mieux c'est. Mais déjà, en fait, il y a des... Ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est avec les télescopes, c'est comme avec les paires de jumelles. La paire de jumelles prolonge l'œil nu. Et en fait, il y a certains objets dans le ciel. Il y a par exemple M47 et M46 dans le Grand Chien. C'est deux amas ouverts qui sont côte à côte. Si on prend un télescope de grand diamètre, 300 à 400 mm, par exemple, on n'arrivera pas à voir les deux simultanément. Et alors que si on prend une petite lunette de 80 mm de diamètre, on va réussir à voir les deux simultanément. Il y a une petite nébuleuse planétaire dans l'un des deux. Et à l'arrière-plan, il y a un autre amas ouvert, NGC, dont j'ai oublié le numéro. Mais les trois objets ont chacun leur luminosité. Ça donne vraiment une impression de trois dimensions. Ils sont tous à des distances différentes. Et ça, c'est une observation simple à faire avec assez peu de matériel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un petit instrument qu'il n'est pas intéressant. En fait, chaque instrument va avoir un champ de vision différent sur le ciel. Merci Jean-Luc, j'en profite pour rappeler qu'on trouve régulièrement tes tests dans Ciel et Espace, dans les pages de Ciel et Espace qui permettent justement de se faire une idée des matériels et des prix et des qualités de ces matériels. Et d'ailleurs, ça évolue dans le prochain. Enfin, on a passé il y a quelques. Dans le précédent numéro, un test d'instrument à 40 euros, bon, qui a ses limites, mais. On va revenir sur ce type d'instrument dans le prochain numéro. Et, parce qu'en fait, jusque-là, moi, je martelais autant que possible. Si vous n'avez pas 200 euros, passez votre chemin, n'achetez pas de télescope. Ces lignes-là, elles sont en train de bouger un petit peu. Bon, c'est une bonne nouvelle que l'inflation ne touche pas encore trop le domaine de l'astronomie. Et Émilie, on entend depuis le début de notre discussion qualité de ciel, noir de la nuit, etc. On voit bien aujourd'hui que la pollution lumineuse a frappé pratiquement tous les continents, qu'en Europe, on n'est pas épargné malgré les efforts. C'est une affaire de société aujourd'hui, la qualité du ciel. Sensibiliser à l'environnement nocturne est devenue aussi une priorité environnementale. Vous le confirmez? Bonjour à tous. Oui, moi, ce que je voulais dire à propos de la qualité de ciel, c'est que, en fait, la notion d'une belle nuit, on veut des belles nuits, là, des nuits d'étoiles d'hiver notamment. Et en fait, la définition d'une belle nuit, elle devient subjective tellement on n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous, par exemple, à Paris ou dans les grandes villes, quand on a les planètes et la constellation d'Orion, on est déjà super content. Pour nous, c'est déjà une belle nuit. Alors que vous, peut-être, qui habitez dans des endroits beaucoup plus épargnés par la pollution lumineuse, vous voyez des milliers d'étoiles
que nous, on ne voit jamais, sauf quand on est en vacances. Et on est tellement déconnecté du ciel, d'une certaine manière, que quand on est sous ces cieux noirs, on en devient presque suspicieux. Genre, mais vous êtes sûr que c'est le bon ciel? Parce que nous, c'est plus orange, et puis il n'y a pas tous ces petits points lumineux, cette étrange traînée blanche, ouais, ça devient ridicule. Donc évidemment, pour se reconnecter au ciel, la solution, c'était de s'éloigner de la pollution lumineuse et idéalement d'aller, donc Jean-Luc en parlait tout à l'heure, ou c'est Philippe, je ne me rappelle plus, dans ces zones protégées de la pollution lumineuse, ces zones où l'on protège le ciel comme on protège la faune et la flore dans les réserves naturelles, c'est donc les réserves de ciel étoilé. Et donc, mon petit œil sur l'actualité, je vous signale qu'un quatrième territoire français a été labellisé, a reçu le label réserve de ciel étoilé, comme l'écrivait notre collègue Guillaume dans le dernier numéro de Ciel Espace. Donc, c'est un label qui est décerné par l'International Dark Sky Association, qui est basé aux États-Unis. Et on avait déjà trois zones. Bien sûr, le pic du Midi qui a été labellisé en 2013, puis le parc national des Cévennes en 2018, le Mercantour en 2019, et il y a désormais le plateau de Mille Vaches. Et dans le monde, donc, l'International Dark Sky Association, qui veille donc à la protection du ciel nocturne dans le monde entier, a labellisé 196 dark places. Donc, ce n'est pas uniquement des réserves, c'est des endroits dans lesquels on préserve le ciel. Et donc, je voulais juste dire que vous aviez la chance de voir des milliers d'étoiles ou uniquement la constellation d'Orient. Sortez, le ciel vous appartient. Et j'emprunterai ces mots à Leonardo DiCaprio. Look up. Merci, Émilie. On va rentrer dans ce ciel d'hiver en compagnie de Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter, les stars du ciel d'hiver? On a commencé à en parler, mais c'est vrai que le spectacle est extraordinaire. À supposer qu'il fasse beau, il fasse nuit, que nos yeux soient parfaitement adaptés, on est très bien couvert, l'horizon est bien dégagé. On a des chaussettes en laine. On peut commencer à observer. Alors, j'ai fait une petite avancée dans le temps. Donc là, maintenant, il est un tout petit peu plus tard ce soir. Hein. Il est entre 21h30 et 22h. Tout à l'heure, à l'ouest, ici, le soleil s'était couché. Donc, vous voyez que maintenant, c'est fini, il fait bien nuit. Et par contre, si on regarde au sud, c'est-à-dire de l'autre côté par rapport à l'étoile polaire dont Philippe nous parlait, donc on regarde plein sud, et là, on a vraiment les grandes stars du ciel. Donc déjà, on voit évidemment des étoiles, et entre autres, la plus brillante étoile de toute la nuit. Il n'y a pas d'étoile plus brillante, que ce soit en été, en hiver. L'étoile la plus brillante, eh ben, c'est celle qui se trouve ici, au milieu de l'écran. Il s'agit de Sirius. Voilà. Alors Sirius, c'est une étoile qui est très brillante, qu'on peut évidemment repérer à l'œil nu. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas Sirius, c'est-à-dire que vous ne voyez aucune étoile, donc vous êtes dans le brouillard, ou alors il y a un problème. Cette étoile Sirius, elle est très brillante, pas parce que elle est intrinsèquement plus brillante que les autres étoiles, mais surtout parce que dans l'univers, eh bien, c'est un soleil qui est relativement proche de notre soleil, et c'est pour ça du coup qu'elle brille pas mal. Alors, dès qu'on a repéré Sirius, juste à côté, ben, on a la constellation phare du ciel d'hiver. Cette constellation, elle s'appelle Orion. Alors, des constellations, c'est quoi? En gros, ce sont des dessins qu'on va imaginer entre les étoiles. Voilà, on imagine, vous savez, un peu comme ces jeux qu'on avait enfant avec des petits points numérotés, puis on les relie les uns aux autres, et puis on dessinait des girafes, on dessinait des éléphants, des voitures. Ben là, c'est exactement pareil, sauf que là, il n'y a pas de numéro. C'est-à-dire que chacun peut dessiner absolument ce qu'il veut dans le ciel. C'est pour ça qu'à un moment, il a fallu normaliser un petit peu les choses. Ces constellations, ces dessins imaginaires du ciel, nous, elles nous proviennent des anciens Grecs. Donc, ça date d'il y a un peu plus de 2000 ans. Donc, les anciens Grecs, déjà, s'amusaient à projeter dans le ciel leurs imaginaires, les histoires, les contes, les légendes qu'ils se racontaient le soir au coin du feu. Eh bien, pour garder une trace de ces personnages, le livre, eh bien, c'était le ciel. Alors, évidemment, on a gardé les Grecs, hein, depuis
1933, on a officiellement décidé que tous les astronomes du monde utiliseraient les mêmes constellations, mais ça n'empêche que de tout temps et à plein d'autres endroits sur Terre, eh bien, les Chinois, les Indiens d'Amérique ont inventé leurs propres constellations que malheureusement, on a décidé de ne pas garder, histoire que tout le monde puisse parler le même langage. Et du coup, quand on les trace ces constellations, bah, ça donne des dessins comme ça. Alors, c'est pas forcément toujours très facile à reconnaître. Il faut dire que parfois, il faut beaucoup d'imagination. Mais notre belle constellation du milieu, elle s'appelle Orion. Elle se trouve ici. Voilà. Et pour la reconnaître, en fait, eh bien, vous pouvez commencer par les trois étoiles du milieu, ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Voilà. En dessous de la ceinture d'Orion, on a Saïf et Erigel. Ce sont les deux étoiles qui font ses pieds, pied gauche, pied droit. Et puis, au-dessus, on a une étoile. Alors, on peut le voir quand la nuit est bien noire, quand notre œil s'est bien habitué à la nuit, quand on commence à voir la couleur des étoiles, parce que les étoiles ont des couleurs différentes. Eh bien, on a Bételgeuse qui a une couleur jaune-orangé, qui va être très différente, par exemple, de Bellatrix qui se trouve juste à côté. Donc là, ce sont les deux épaules d'Orion. Et puis ensuite, eh bien, à gauche, on a Orion qui lève son bras d'un côté, et à droite, eh bien, il tient. Alors, ça dépend des histoires, hein, puisqu'évidemment, tous ces personnages correspondent à l'histoire de la mythologie grecque. Donc, il tient son arc ou son bouclier en fonction de si on décide qu'Orion était un chasseur ou en fonction de si on décide qu'Orion était un guerrier. Avec des histoires hein, qui nous sont parvenues depuis 2000 ans, on retrouve les histoires d'Orion déjà en moins 800. On parlait d'Orion dans l'Iliade d'Homère, donc c'est vraiment une constellation qui était reconnue depuis très 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 longtemps. Et la mythologie, l'histoire mythologique, c'est que bah, justement Orion à l'époque était un chasseur, c'est ce qu'on racontait. Sauf que ce chasseur était extrêmement arrogant. Il prétendait pouvoir tuer tous les animaux du monde et que aucune créature ne pouvait lui résister. Donc évidemment, à un moment, il a fini par irriter les dieux et entre autres Héra, la femme de Zeus. Héra qui du coup pour le punir, eh bien, a décidé d'invoquer un scorpion et a demandé à ce scorpion d'aller le piquer pour tuer Orion, ce qu'il a fait. Et donc, à l'époque, dans les années antérieures, eh bien, quand on mourait et qu'on avait fait beaucoup de jeux sur Terre, eh bien, en montant au ciel, on apparaissait dans les étoiles. Donc, c'est comme ça que Orion est apparu dans les constellations. Sauf que Héra, il a dit attends, Orion, il n'y a pas de raison. Il a été, il a quand même, il ne s'est pas quand même super comporté pendant sa vie. Donc, moi, je vais aussi monter le scorpion pour que pour l'éternité, le scorpion poursuive Orion. Et c'est là où Zeus, voyant que ça commençait à sentir le roussi dans les constellations, a dit d'accord, mais dans ce cas, on va mettre Orion dans le ciel d'hiver et le scorpion dans le ciel qu'on voit en été, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on ne peut jamais voir ces deux éternels ennemis ensemble. En hiver, quand on voit Orion, le scorpion est couché et en été, quand on voit le scorpion, c'est Orion qui sont couchés. Donc, ils se tournent l'un autour de l'autre pour l'éternité sans jamais arriver à s'atteindre. Donc voilà, les constellations, c'est de la science, évidemment, ce sont des étoiles, des positionnements, mais c'est aussi de l'histoire, de la poésie. Donc, il y a énormément de choses. C'est très artistique, en fait, toutes ces informations. Je vous en donne juste quelques-unes faciles à reconnaître. Du coup, en dessous d'Orion, eh bien, vous avez la constellation du grand chien, là où se trouve Sirius. Donc, c'est le chien qui accompagne le chasseur. Hein. Donc, on a le chien. D'ailleurs, je peux vous mettre aussi les dessins. Voilà, donc le grand chien qui est en bas, Orion qui est en haut. Et puis, vous voyez qu'à droite d'Orion, je vais vous en parler de deux qui sont vraiment faciles à trouver. Dès qu'on a repéré Orion, eh bien, en haut à droite d'Orion, on a le taureau. Et en haut à gauche d'Orion, on a deux célèbres frères qu'on appelle deux frères jumeaux, qu'on appelle les gémeaux. Donc, juste, comment est-ce qu'on fait pour les repérer très rapidement? Eh bien, en haut à droite d'Orion, si vous regardez bien, on a un ensemble d'étoiles. Alors, Jean-Luc en parlait tout à l'heure, c'est les Hyades. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'émission, mais ces étoiles, si vous regardez bien, vous voyez dans le taureau, ça fait un peu comme une forme de V, vous voyez, comme une pointe de flèche avec l'étoile Aldébaran qui se trouve juste à côté. Eh bien, ce V, c'est la tête du taureau. Voilà, avec ces deux grandes cornes qui sont au-dessus. Et puis, de l'autre côté d'Orion, vous trouverez deux étoiles très brillantes qui représentent, vous voyez ici, la tête de deux petits personnages qui se donnent la main, qui sont couchés l'un à côté de l'autre. En haut, il s'agit de Castor et en bas, il s'agit de Pollux. Et donc, Castor et Pollux, eh bien, ce sont, pareil, historiquement, les deux frères jumeaux d'Hélène de Troie.
Donc là encore, hein, comme vous disiez, les constellations, on leur donne les noms et les dessins qu'on veut. Donc chez les Grecs, c'était les deux frères Castor et Pollux. Et chez les Romains, quelques siècles plus tard, eh bien, ces deux frères se sont transformés. Ils ont gardé les frères, mais pour eux, ce sont les deux frères historiques, Romulus et Rémus, qui, d'après la mythologie, auraient fondé la ville de Rome. Donc voilà, plein de belles histoires à se raconter en regardant ce ciel d'hiver. J'y reviendrai un petit peu. J'en profite, Pierre, pour te passer une question là, qui est passée pendant que tu expliquais. Alors déjà, on te considère comme un vrai puits de connaissances mythologiques du ciel. Ce qui est Alors, j'en suis loin. Et justement, je vous partage ce que je connais. Oui, dis-moi. C'est Jean-Pierre Dudragne sur Facebook qui demande quel livre est-ce qu'on pourrait recommander au sujet des histoires des constellations. J'en ai pas dans ma bibliothèque. J'en avais un dans le temps qui était parfait, mais je me rappelle. Écoute, très bonne question. Laisse-moi retrouver ce livre, je reviendrai tout à l'heure au micro et j'y répondrai. D'accord ? Donc, très bonne question. On te laisse le temps d'y réfléchir. Juste une chose, on a aussi souligné que ce que tu montres comme image, c'est une application qui s'appelle Stellarium et qu'on peut télécharger d'ailleurs sur son téléphone portable et qui a un mode rouge pour observer le ciel la nuit. S'il y a une seule chose à ne pas rater, c'est la Grande Nébuleuse d'Orion. Je pense qu'il faut effectivement le dire, parce que c'est la première découverte, c'est sans doute souvent le premier choc esthétique lorsqu'on observe le ciel, c'est M42, donc au cœur de la nébuleuse d'Orion, au cœur d'Orion, de la constellation d'Orion. On peut y faire un petit zoom si tu veux, très rapidement. Hop, c'est parti, on retourne sur Stellarium, sur Orion. Voilà, on partage. Donc, on retourne sur notre constellation. Alors, vous avez donc notre fameux chasseur avec son arc d'un côté, sa ceinture. Il se trouve que la nébuleuse d'Orion, c'est la partie qui fait le poignard ou l'épée qui est suspendue à sa ceinture. Donc, si vous regardez les trois étoiles de la ceinture d'Orion, Alnitak, voilà, Alnilam et Mintaka, eh bien, en dessous, vous voyez, vous avez, dès qu'on commence, et Jean-Luc en parlait tout à l'heure, dès qu'on commence à utiliser une petite paire de jumelles, pas forcément besoin de grossir beaucoup, mais on s'aperçoit que ce que l'on croyait être trois petites étoiles verticales en dessous de la ceinture d'Orion, ben en fait, au milieu, l'étoile du centre, ben, elle n'est pas si ponctuelle que ça, elle est même très floue, et justement, c'est la définition historique du mot nébuleuse. Nébuleux, ça veut dire que c'est comme du brouillard, et donc, effectivement, l'une des plus belles et des plus faciles à pointer, à trouver dans le ciel des nébuleuses, eh bien, c'est cette fameuse nébuleuse d'Orion qui porte le nom très poétique de M42. Voilà. Et donc, cette nébuleuse, eh bien, en fait, c'est un gigantesque complexe de gaz et de poussière, infiniment plus grand que le système solaire. Et donc, dans les nébuleuses, eh bien, c'est là où naissent les étoiles des futurs soleils. Un soleil, c'est fait de gaz. Et pour créer des soleils, bah, il vous faut une réserve de gaz. Et donc, ce sont à l'intérieur de ces nébuleuses qu'on appelle des pouponnières d'étoiles que se créent les prochaines générations d'étoiles. Il y en a d'ailleurs plein qui se font dans cette très, très belle nébuleuse que vous pouvez observer et que vous pourrez maintenant pointer facilement dans le ciel. Merci Pierre. Il existe une histoire mythologique des constellations. Il existe aussi une histoire des étoiles. Et ces histoires d'étoiles sont contemporaines puisqu'elles sont alimentées par des observations astrophysiques. Il existe beaucoup d'étoiles remarquables dans ce ciel, Philippe. Peut-être peux-tu nous parler d'une ou deux étoiles remarquables pour donner des exemples ? Oui, on va rester dans quelque chose de simple et de connu. Dans la constellation d'Orion dont Pierre vient de parler et que vous avez pu voir à l'écran, il y a une étoile qui est la plus brillante, qui s'appelle Bételgeuse, qui se trouve à 700 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière qu'on voit actuellement est partie de l'étoile il y a 700 ans pour arriver jusqu'à nos yeux. Et vous savez peut-être que début 2020, cette étoile nous a fait un clin d'œil. Il s'est passé quelque chose. Elle s'est mise à moins briller tout d'un coup. Elle est tombée dans le classement des étoiles les plus brillantes de plusieurs rangs. Et les astronomes ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils l'ont observée avec le VLET, avec tous les observateurs qu'ils ont pu. Et ils ont remarqué qu'en fait, elle avait expulsé
un nuage de gaz qui s'est transformé ensuite en poussière et qu'elle avait été victime d'un petit froid, en fait, d'un petit refroidissement aussi dans la zone qui avait expulsé ça. Et donc, certains s'étaient émus en disant « Ah, c'est peut-être le signe avant-coureur qu'elle va exploser la supernova » parce que Bételgeuse, cette étoile qu'on peut voir à l'œil nu et qui ne sert pas à grand-chose de regarder au télescope parce qu'on ne la verra pas plus gros, eh bien, elle est orange parce que c'est une étoile massive en fin de vie et c'est comme ça qu'elle va finir un jour ou l'autre, peut-être ce soir, peut-être dans 3 soirs, plus probablement dans quelques centaines ou quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années, en supernova, c'est-à-dire qu'elle va littéralement exploser et à ce moment-là, elle brillera autant que la Lune dans le ciel pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est une étoile remarquable que je vous invite à regarder parce qu'il faut surveiller son éclat, du coup, il faut la surveiller, elle peut changer, on peut la comparer aux autres qui sont à côté. Et puis, on va parler aussi d'une étoile toute simple qu'on peut regarder avec une petite lunette qui est Castor, l'une des 2 étoiles brillantes des Gémeaux. Alors, si vous ne savez pas laquelle est laquelle, Pollux, elle est un peu rouge comme Bételgeuse et Castor, elle est carrément blanche, donc vous ne pouvez pas les confondre. Et si vous regardez Castor avec une petite lunette, avec un grossissement, disons, de quelques dizaines de fois, une cinquantaine de fois, vous allez remarquer que ce n'est pas une étoile, mais ce sont 2 étoiles. 2 étoiles qui sont séparées tout à côté. Elles ont l'air d'avoir à peu près la même brillance. Il y en a une qui est un peu plus brillante que l'autre. Elles sont environ à 50 années-lumière. Et en grossissant au télescope, donc on en voit 2. C'est une des premières étoiles doubles à avoir été identifiées par les astronomes. On leur attribue une période, elles se tournent l'une autour de l'autre, d'un peu plus de 400 ans. Mais le fait remarquable, c'est qu'avec les instruments modernes et très précis des astronomes d'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas 2 étoiles, mais en fait, c'est 6 étoiles. Chacune des 2 étoiles qu'on voit à l'oculaire est double. Et un peu plus loin, il y en a une autre qu'on peut voir aussi, mais qui est beaucoup moins brillante, qui est de couleur rouge et qui est aussi une étoile double. Donc, Castor, c'est une étoile sextuple. Il y a des étoiles comme ça à voir, il y a des nébuleuses, mais je ne veux pas non plus vous dévoiler tout le ciel d'hiver, puisque tous ces objets sont décrits dans un article qui a été rédigé par Emmanuel Baudouet et qui vous invite, cartes à l'appui, à explorer ce ciel d'hiver, que ce soit dans le Taureau, dans les Gémeaux, où il y a une nébuleuse planétaire, du côté entre le Taureau et le Bélier, il y a la planète Uranus qui se balade, qui est quand même très jolie parce que on parlait de couleurs avec Bételgeuse, mais Uranus, c'est une couleur bleue et c'est très rare de voir des couleurs dans le ciel. Et Uranus est une de ces planètes, un de ces corps célestes qui montre ces couleurs. Et puis, il y a des étoiles variables à voir près des Hyades qu'on peut voir avec simplement les yeux ou avec les jumelles. Et d'un jour sur l'autre, on s'aperçoit que l'étoile qui était si brillante la veille, eh bien, elle brille beaucoup moins le lendemain, etc., etc. Pierre, on peut observer Uranus en ce moment. Uranus, c'est une planète visible dans le ciel. Ce n'est pas nécessairement très facile, mais vous pouvez nous montrer où elle se situe? Effectivement. Alors, on peut l'observer. On va même faire un petit tuto de fonctionnement de Stellarium. Alain, tout à l'heure, on disait que Stellarium est un logiciel gratuit. Alors, il est gratuit quand on le télécharge sur un PC, Mac, Linux. Par contre, sur téléphone portable, il fait quelques euros, il doit faire 1 ou 2 euros. Voilà. Gratuit sur ordinateur et petit prix sur téléphone portable. Donc, du coup, je suis toujours sur Stellarium. Et maintenant, si je veux Uranus, eh bien, j'ai un petit outil de recherche dans lequel je vais donner le nom de ce que je cherche. Alors, la planète Uranus, en ce moment, elle se trouve pas très loin. Vous voyez, on avait tout à l'heure Orion et puis le Taureau. Eh bien, Uranus, elle est juste à droite du Taureau. Alors, attention, toutes les planètes ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Tout à l'heure, Jupiter, elle l'était, évidemment. En gros, pour retenir, pour savoir quelles planètes sont visibles à l'œil nu et lesquelles ne le sont pas, celles qui sont visibles, c'est celles qui ont donné leur nom à une journée de la semaine. Donc Jupiter pour jeudi, Saturne pour samedi, mais on n'a pas Uranus dit. C'est pour ça que bah voilà, Uranus, elle est encore un peu trop loin, à l'œil nu, c'est difficile. Et par contre, avec un télescope, eh bien, je peux avoir un champ beaucoup plus court. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre une planète et une étoile au télescope? Eh bien, c'est parce que quand on les grossit, eh bien, les planètes finissent par avoir une certaine taille, alors que les étoiles restent ponctuel. Donc voilà notre ami Uranus. Ça, c'est Uranus tel qu'on la verra ce soir. Uranus, alors c'est une planète qui se trouve à 3 milliards de kilomètres. C'est pour ça qu'on ne la voit pas à l'œil nu.
même si c'est une planète géante, on l'appelle une géante de glace, comme elle est à 3 milliards de kilomètres, c'est une planète qui est très froide, on est loin du Soleil, donc on a très peu d'énergie qui arrive, la température moyenne sur Uranus, c'est moins 215 degrés, donc c'est vraiment très froid. Et puis cette planète, eh ben, elle a été découverte il y a très longtemps, hein, c'est en 1781, donc au 18e siècle, c'est le célèbre astronome William Herschel qui faisait un recensement de tous les trucs un peu bizarres qui n'étaient pas des étoiles dans le ciel. Et puis, il a regardé, il a vu cette espèce de boule un peu bleuâtre. Et justement, bah, alors lui, il a observé il y a déjà bien des siècles. Et puis depuis, eh ben, on n'a pas arrêté de s'y intéresser avec des télescopes de plus en plus puissants, mais aussi en envoyant des sondes et des robots jusqu'au fin fond du système solaire. Hein. Elle a été survolée par la sonde Voyager 2 en 1986. Et c'est comme ça qu'on connaît beaucoup, beaucoup de choses sur elle, parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les jours que l'on va voir justement cette planète Uranus, dont le nom mythologique, puisqu'on parlait de la mythologie, vient de Uranos, Uranos qui est le père de Jupiter, Zeus, et de Saturne, Cronos. Émilie, ces planètes lointaines ont été survolées, mais pas vraiment explorées. Est-ce que ce sont de nouveaux défis pour les agences spatiales ? Ouais, absolument. Je rebondis tout à fait sur ce que tu disais, Philippe, et sur ce que tu disais, Pierre, sur la belle Uranus. Je vais faire un petit plaidoyer pour les planètes de glace. Donc Uranus, comme tu disais, Pierre, c'est une planète froide, c'est une planète de glace. Je prends mes petites notes parce que j'ai envie de dire plein de trucs et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc elle forme avec Uranus et Neptune une catégorie à part, les planètes de glace. Et c'est les seules, alors tu disais Pierre qu'elles ont été beaucoup explorées, mais en fait, elles n'ont pas été explorées de façon dédiée, comme l'ont été quasiment toutes les planètes du système solaire. Bon, bien sûr, effectivement, Voyager est passé près d'Uranus en janvier 86 et près de Neptune en août 89. Et puis depuis, rien. Alors que sur Mars, c'est un peu l'auberge espagnole, ça arrive tout le temps autour de Mars, sur Mars. Un peu la même chose sur les géantes de gaz, Saturne et Jupiter. Vénus et Mercure aussi ont également eu de la visite. Et bien sûr, Pluton a même eu sa propre sonde avec New Horizons en 2015. Et donc, pour l'instant, rien sur les planètes de glace. Et pourtant, elles sont fascinantes. Donc, avec les images qu'on a obtenues avec Voyager 2, on a découvert des nouveaux anneaux, des vents ultraviolents sur Neptune, 1600 km/h dans la tache sombre à côté... Alain, les vents de Camaret, autant te dire que c'est de la gnognotte. Et puis les 27 lunes, évidemment, d'Uranus, qui offrent les paysages parmi les plus oufs du système solaire. On a souvent voulu faire ça, les endroits les plus dingues du système solaire. Et dans ce qu'on avait en tête, il y avait Miranda et son canyon, qui est 12 fois plus profond que celui du Grand Canyon. Triton, bien sûr, la plus grosse lune de Neptune, qui a des geysers qui jaillissent de sa surface glacée. Qu'est-ce qui se trame sous l'océan, sous la glace de Triton ? Ça mériterait une sonde spatiale juste pour ça. Et surtout, on se rend compte en fait que la majorité des planètes extrasolaires qu'on découvre, donc on en est à plus de 4000, c'est un peu la plupart, la majorité, c'est des Neptunes ou des mini-Neptunes. Donc bon, comme on en a une chez nous, ce serait peut-être une bonne idée d'aller voir à quoi ça ressemble en termes de coût de carburant entre aller sur Neptune ou Uranus et aller dans un système à 30 années-lumière. Ça va être assez discount. Mais alors, donc, le problème, c'est que depuis Voyager, en effet, il y a une douzaine de propositions qui ont été faites pour des missions de retour vers l'une ou l'autre de ces géantes de glace. Et pour l'instant, aucune n'a dépassé le stade de la proposition. Tout récemment même, la mission Trident proposait d'étudier Triton, justement, et Neptune, et elle a été recalée par la NASA au profit d'une mission sur Vénus. Mais ce n'est pas grave, on ne se décourage pas. Il y a une prochaine fenêtre de lancement qui s'ouvre à la fin des années 2030, et on y croit. Et si les scientifiques parviennent à convaincre la NASA, on pourrait être autour des géantes de glace en 2040. Ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, je vous conseille donc d'observer la belle Uranus. Elle est seule comme sa voisine Neptune, mais elle est belle et elle attend patiemment son tour. Merci, Émilie. On ne quitte pas les projets des agences spatiales européennes, les agences spatiales, en rejoignant donc Marine Martin-Lagarde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes astrophysicienne, ingénieure aux avant-projets scientifiques à l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire, vous faites partie de ces équipes qui travaillent sur de futures missions. Mais ma première question, c'est
Après, d'abord, en vous remerciant d'être avec nous, mais ma première question, c'est est-ce que vous observez le ciel de temps en temps? Est-ce que le métier d'astrophysicien vous donne ce loisir d'observer le ciel et est-ce que vous aimez observer le ciel? Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bonjour Alain. C'est vraiment un plaisir d'être là cet après-midi. Alors, observer le ciel, c'est une question. Je pense que toutes les vocations d'astrophysicien, d'astrophysicienne commencent au départ un regard vers le ciel. J'ai beaucoup observé le ciel à l'œil nu quand j'étais petite. Fait beaucoup de soirées d'observation assise dans l'herbe en train d'essayer de reconnaître les constellations. Alors, je suis beaucoup moins forte que Pierre, je vous rassure. J'ai vraiment quelques lacunes. J'ai eu l'occasion d'observer le ciel de façon un petit peu plus professionnelle, on va dire, dans le cadre de certains stages que j'ai faits en master d'astrophysique, où j'ai eu l'occasion d'observer à l'Observatoire de Haute-Provence, pour des observations de découverte d'exoplanètes. Donc ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire en tant que observatrice à l'œil nu. C'est vraiment pas du tout la même chose. On met pas son œil dans une lunette. On est derrière un écran d'ordinateur, donc c'est vraiment une expérience d'observation qui est complètement différente. Aujourd'hui, un peu moins, j'ai un télescope à la maison, mais j'habite en ville et donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas les beaux ciels de campagne. Alors, on voulait vous inviter aujourd'hui parce qu'on a vécu tous ensemble il y a quelques semaines, après des années, enfin que dis-je, des décennies d'attente du lancement du James Webb Télescope, ce moment extraordinaire où le télescope est parti après 30 ans d'études, de développement, de financement extrêmement compliqué. Et nous sommes au moment où nous enregistrons cette émission à 48 heures de l'arrivée du James Webb Télescope à côté de son point de destination, une espèce de halo qui s'appelle Lagrange 2. Vous avez-vous, en tant qu'astrophysicienne, fait votre thèse sur, non pas le JWST, mais une des possibles utilisations du JWST, qui est l'étude des atmosphères de planètes extrasolaires. Alors, ma première question est très simple, c'est on est à 48 heures de l'arrivée du JWST. Vous avez consacré de nombreuses années à l'étude d'un de ces instruments et de ses capacités. Comment vous ressentez ce moment à juste quelques heures de la mise à poste du JWST? Alors, c'est forcément de l'émotion. C'est pas aussi spectaculaire que le lancement. Le lancement, c'est un risque évident pour un satellite. On a peur qu'il explose, une peur reptilienne. On a vraiment ce risque en tête. La vraie peur des astrophysiciens, des astronomes qui ont participé à cette mission, c'était le déploiement. On a vu ce télescope avec lequel on avait fait un origami se déplier feuille par feuille. Et donc, on a la chance d'avoir eu une Ariane 5 qui a fonctionné de façon extraordinaire, et puis un déploiement qui s'est fait, je dirais, comme sur des roulettes, qui a vraiment. Tout s'est passé comme prévu, et en fait, pendant ces 30 années de développement, la peur des astronomes, pardon, s'est vraiment cristallisée sur si jamais on a un bout qui ne se déploie pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est la panique, c'est terrible. Et donc là, il y a un immense soulagement qui s'est fait. Dans toute la communauté des gens qui ont participé et puis des gens qui vont utiliser, un immense soulagement à la fin du déploiement. En disant, ah, ça y est, la partie vraiment compliquée, la partie vraiment risquée, c'est passé. Donc là, c'est vraiment l'arrivée à destination. C'est forcément quelque chose, mais la route est encore longue avant d'avoir vraiment des observations exploitables. Il va y avoir encore quelques mois de ce qu'on appelle le commissioning, c'est-à-dire la mise en service des instruments, la vérification qui fonctionne de façon attendue avant de pouvoir commencer les premiers vrais programmes d'observation. Alors, on l'a dit, 25 mètres carrés de surface collectrice, c'est le miroir totalement déployé, il sera ajusté au nanomètre près. Parmi les objectifs scientifiques du JWST, alors il y en a beaucoup, hein, c'est le télescope infrarouge, on le rappelle,
Mais ce qui fascine beaucoup, c'est l'idée qu'on puisse observer des planètes extrasolaires, donc des planètes tournant autour d'autres étoiles que le Soleil, et en particulier à l'occasion de transit, donc au moment où ces planètes passent devant leur étoile, la possibilité d'avoir des informations sur leurs atmosphères, si elles ont des atmosphères, et en particulier la composition des atmosphères. Alors, vous avez, vous, travaillé sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que le JWST pourra observer des atmosphères d'autres planètes lorsqu'elles passent devant leurs étoiles? Et est-ce que... Je vous ai perdu pendant un instant. Je ne sais pas si je suis toute seule. Voilà, je vais reprendre ma question. Est-ce que vous pensez que le JWST pourra avoir des informations sur les atmosphères des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Alors, oui, la réponse est oui. Si les instruments fonctionnent tels qu'attendus, c'est certain qu'on va pouvoir avoir plus d'informations. Alors, pour savoir quelles informations il va y avoir en plus, il faut savoir les informations et les observations qu'on a déjà. Donc il y a plusieurs façons d'observer, de faire des transits d'exoplanètes. Dans tous les cas, pour observer et pour avoir des informations sur l'atmosphère, une des techniques, c'est de faire de la spectroscopie. Donc, on prend la lumière qui nous arrive, on la décompose, on sépare toutes les couleurs, et en regardant comment la lumière varie en fonction de telle ou telle couleur, on va pouvoir savoir ce qui a été absorbé de la lumière de l'étoile, ce qui a été laissé passer, et ça nous donne des informations sur la composition des planètes. Chaque molécule qui compose l'atmosphère ou un milieu qui est traversé par de la lumière va absorber des longueurs d'onde en particulier, et donc ces longueurs d'onde, en fonction des longueurs d'onde auxquelles on observe, on ne va pas avoir les mêmes informations sur les mêmes molécules. Donc il y a eu des observations qui ont été faites un petit peu au sol. Les meilleures observations qu'on a de ce genre d'observations, c'est des observations qui ont été faites par Hubble, qui a fait quelques observations d'exoplanètes en transit, principalement dans le visible et le proche infrarouge. C'est des observations pour lesquelles Hubble n'avait pas été construit. Quand Hubble a été construit, envoyé dans l'espace, on n'avait pas encore découvert les premières exoplanètes. Donc c'est vraiment, on a utilisé Hubble pour faire ça sans qu'il soit optimisé pour le faire, et on a quand même réussi à avoir des super résultats, mais dans des résolutions en longueur d'onde qui sont assez basses. Là, la vraie différence que va apporter le James Webb, c'est la première chose d'observer dans l'infrarouge, avec donc du coup des différentes molécules, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de biosignature, par exemple, à observer, avec une bien meilleure résolution une bien meilleure résolution spectrale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une résolution plus fine dans quelle molécule, dans quelle quantité, et puis avec ce miroir absolument gigantesque qui va du coup nous apporter beaucoup plus de lumière, et donc va nous permettre d'avoir une sensibilité à ces signatures qui sont très fines, qui va être bien meilleure. Et donc on va pouvoir voir des choses, et surtout on va pouvoir compléter ce qu'on sait déjà et le voir de façon beaucoup plus fine. Et ça veut dire que si, par exemple, un jour, on a une observation du JWST d'une exoplanète passant devant son étoile et une signature qui dit « dans cette atmosphère, il y a du CO2, il y a de l'ozone, il y a du méthane », ça veut dire que quelque chose respire à la surface. Oui, alors, les biosignatures, c'est un grand sujet. C'est évidemment la quête ultime des exoplanètes, la question sous-jacente de tout ce pan de la science, c'est est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on a des copains quelque part sur une autre planète. C'est à la fin tout ce qu'on veut savoir. Il n'y a pas aujourd'hui de marqueur définitif. On peut pas dire si on trouve telle molécule, il y a de la vie, ils sont bleus, ils s'appellent tous Jean-Paul, on ne saura pas avec autant de certitude. Par contre, il y a des faisceaux d'indices, et donc effectivement, il y a des combinaisons de plusieurs molécules qui pourront nous dire effectivement s'il y a une probabilité d'avoir de la vie sur cette planète. Le CO2 est une partie de ces signatures, la présence d'oxygène, la présence d'eau, en particulier sur des planètes où il est possible qu'elles soient liquides à la surface, c'est un énorme indice. Un autre indice intéressant, c'est ce que fait la vie. La vie, c'est un système,
biologique qui va prendre des espèces chimiques et rendre d'autres espèces chimiques. C'est-à-dire que l'atmosphère telle qu'elle est, si elle est suffisamment habitée par des êtres vivants, elle va avoir un état chimique qui va être déséquilibré par la vie, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va forcer certaines mécaniques. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la chimie hors équilibre. Et des indices comme ça de chimie hors équilibre indiquent qu'il y a ce qu'on appelle un forçage à l'intérieur, c'est-à-dire ce n'est pas juste une atmosphère inerte qui se laisse vivre, il y a quelque chose qui pousse des molécules à l'intérieur qui en créent quelque part. Ça, il y a d'autres façons de le faire. Ça peut être par exemple du volcanisme qui, du centre de la planète, va faire remonter certaines espèces chimiques, mais ça peut aussi être de la vie. Et donc, si par exemple, on a une planète qui commence à avoir de l'eau liquide à la surface, du CO2, et puis par exemple de la chimie hors équilibre, ça commence à être un large faisceau d'indices qui peuvent indiquer effectivement qu'il y a la présence de biologie. Et puis, en parallèle de ça, ça, c'est tout ce qui concerne la recherche de la vie telle que nous, on la connaît, telle que nous, on la conçoit, une chimie basée sur une biologie basée sur la chimie du carbone, mais on n'est pas du tout garanti que la forme de vie ou les éventuelles formes de vie qui vivent sur d'autres planètes suivent ces mêmes règles et soient basées sur la même forme de chimie. Et donc, il y a tout un pan scientifique qui s'appelle l'astrobiologie qui va être en partie chargé d'imaginer quelles pourraient être des molécules qui seraient fabriquées par une vie à base de silicium, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très intéressantes. Alors, je rappelle que vous travaillez à l'Agence spatiale européenne et que l'Agence spatiale européenne est partenaire de la NASA pour le JWST. Je voulais, avant de vous remercier, vous poser une question un peu plus personnelle. Comment est-ce que vous êtes devenu astronome? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ou peut-être plus tard? Quel a été le déclencheur? Vous vous êtes dit un jour, je veux être astrophysicienne? Alors, je ne sais pas s'il y a eu un vrai déclencheur. On m'a mis dans les mains assez tôt Une brève histoire du temps de Stephen Hawking que j'ai lu, qui est vraiment mon premier contact avec le métier d'astronome, qui est vraiment pas un contact avec le ciel que je pense que j'ai toujours eu. J'ai pas de souvenir d'un événement où je vais regarder vers le ciel et dire oh, ça c'est fascinant, ça m'a toujours fasciné. Mais vraiment la lecture d'une brève histoire du temps qui arrivait très très tôt chez moi, j'étais assez jeune, j'ai dit, je veux devenir astrophysicienne. Et donc après, tout le monde me prenait pour une folle parce que je devais avoir 12, 13 ans et je voulais être astrophysicienne absolument, ce qui était très, très original comme projet de carrière. Donc voilà, ce serait peut-être mon déclencheur. Et ce que vous conseillez aux jeunes comme vous étiez à ce moment-là pour réussir ce rêve? De ne pas s'autocensurer. De montrer son enthousiasme, d'aller au bout de ce qu'on veut faire et puis d'essayer. Des fois, ça marche. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, préparez-nous de très belles missions pour le futur. Promis. On va s'agiter pour essayer de trouver les moyens. On s'applique. Excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Merci beaucoup. On va continuer avec ce ciel d'hiver, avec une question toujours instrumentale, mais cette fois-ci posée à Jean-Luc. Après les magnifiques photos du ciel que l'on peut voir, comment est-ce que l'on photographie ce ciel? Et est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pratiques qui permettent d'essayer de fixer pour la première fois, et puis peut-être plus après, les splendeurs dont nous parlons? De plus en plus, on peut commencer avec un smartphone. J'aurais pas dit ça il y a peut-être encore 5 ans, mais il faut avouer que les smartphones ont fait des progrès considérables. La cible vraiment de choix, en fait, ça va être des conjonctions, par exemple, entre la Lune et Vénus. Et de préférence, on va prendre ces photos-là au crépuscule. Qu'on soit bien équipé ou pas, c'est en général plutôt joli si on a un dégradé lumineux du crépuscule. Mais pour un smartphone, il va être plus dans de meilleures conditions que s'il fait totalement nuit. Et puis ensuite, ce qu'on voit régulièrement, en fait, au moment des nuits des étoiles, ou en tout cas dans des endroits qui accueillent du public pour leur montrer le ciel, c'est que les gens facilement prennent des photos de la Lune derrière un télescope en mettant le téléphone directement derrière l'oculaire. C'est de la photo en afocale. Adrien, je t'en ai envoyé une photo de la Lune, là, comme ça, que j'ai pris il y a quelques jours.
Si tu l'as sous la main, elle est, voilà, c'est une photo de la Lune que j'ai pris avec un tout petit télescope à moins de 150 euros. Donc, c'est une photo qui est sans prétention, évidemment, dans l'absolu. Mais voilà, c'est fait avec le smartphone de Monsieur Tout-le-Monde et avec un télescope très, très entrée de gamme. Donc ça, c'est vraiment les photos que tout le monde peut faire. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque de la photographie argentique, faire ce genre de photos où on commence à quand même bien distinguer des cratères sur la Lune, etc., c'était quand même pas une sinécure. C'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait un petit peu de savoir-faire et un petit peu de matériel. Donc ça, c'est vraiment la base, le B.A.B.A. Si on est mieux équipé en termes de smartphones, sur les smartphones haut de gamme actuels, de plus en plus, les capteurs à l'intérieur deviennent de plus en plus grands. Ça veut dire qu'ils deviennent aussi de plus en plus sensibles, d'une part, et ils sont connectés à des applications aussi de plus en plus performantes. Alors, c'est souvent des applications dédiées, liées à la marque de l'appareil photo, mais des applications qui ont des modes spécifiques pour la prise de vue de nuit, qui consistent simplement à empiler plusieurs photos d'une seconde, par exemple. Le problème, la nuit, c'est qu'on manque vraiment de lumière et que si l'appareil photo fait une pause courte, comme on fait avec notre œil nu, bah, la photo, ça va ressembler à ce qu'on voit à l'œil nu. On va avoir quelques étoiles, mais on ne va pas spécialement voir les nébuleuses, etc. Par contre, dès qu'on fait des temps de pause de plusieurs secondes et éventuellement qu'on en additionne plusieurs, bah là, on va commencer à pouvoir voir la Voie lactée, même au smartphone. Mais encore une fois, c'est avec des smartphones haut de gamme. Alors, la limite de ça, c'est que les smartphones haut de gamme, aujourd'hui, on sait tous à peu près combien ça coûte. On se rapproche souvent des 1000 euros. Et en fait, dans un budget bien plus petit, en fait, on peut s'équiper d'un outil bien meilleur qui est un appareil photo réflexe numérique ou un hybride avec un grand capteur au format APS-C ou 24 par 36 mm. Enfin, de toute façon, n'importe quel réflexe numérique, il y a toujours un gros capteur. Si on prend ces appareils photo-là d'occasion, peu importe que l'appareil photo ait 5 ans ou 10 ans, il fera mieux que n'importe quel smartphone aujourd'hui puisque le capteur est beaucoup plus grand. Et d'occasion, on trouve des modèles autour de 100 euros. Et en neuf, on va être dans les 300, 400 euros. Il faut rajouter un objectif, mais on va être sur un budget de quelques centaines d'euros si on veut faire quelque chose d'assez économique. Et avec ça, sur un pied photo, là, on va clairement, sérieusement pouvoir commencer à faire des belles photos de la Voie lactée. Adrien, je t'en ai envoyé une photo du ciel d'hiver. Là, je ne sais pas si tu l'as sous la main avec la constellation d'Orion. L'intérêt de ça, en fait, c'est qu'on a beaucoup parlé de la constellation d'Orion aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué avec cette constellation d'Orion. On a évoqué la nébuleuse M42. Elle est spectaculaire parce qu'elle est brillante au télescope, c'est génial. Mais en fait, dans la constellation d'Orion, il y a une nébuleuse qui est beaucoup plus grande qui s'appelle la boucle de Barnard. Ça fait une énorme parenthèse qui fait la taille de la constellation. À l'œil nu, on ne le voit pas. Aux jumelles, on ne le voit pas. Mais en photo, on peut le voir. Alors, c'est rouge. La plupart des appareils photo sont peu sensibles dans le rouge. Il faut leur faire une petite modification. On confie ça à un artisan. Il va enlever le filtre qui est devant le capteur qui reproduit la réponse de l'œil. Notre œil, la réponse de notre œil dans le rouge est très, très mauvaise la nuit. Mais par contre, ces nébuleuses sont très brillantes. Moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois en essayant l'intensificateur de lumière de la marque OVNI. C'est un fabricant français qui fait ça. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde avec un grossissement de une fois dans le ciel, toutes ces nébuleuses, en fait, on les voit. C'est pas à l'œil nu, puisque c'est à travers un dispositif, mais c'est sans intégrer de la lumière en plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Ces nébuleuses, en réalité, sont brillantes. Si on ne les voit pas en temps normal, c'est uniquement en raison de la mauvaise sensibilité de notre œil. Et donc voilà, à partir du moment où on commence à avoir un réflexe numérique comme ça, on fait des choses super chouettes. Il ne faut pas oublier aussi les appareils photo compacts numériques. Il y en a en particulier chez Nikon, il y en a qui ont une amplitude de zoom considérable, qui vont jusqu'à des équivalents de 2-3 mètres de focale. Et avec ça, on peut faire des photos de la Lune vraiment très bonnes, juste sur un pied photo. On fait une photo de la Lune et on a une photo de la Lune encore plus détaillée que la photo là, que j'ai montrée, simplement prise avec le smartphone derrière le petit télescope. Merci Jean-Luc. On va conclure avec la dernière partie de cette émission consacrée aux événements à ne pas rater cette semaine. Et Dieu sait s'il y en a pas mal. Pierre, est-ce que tu peux nous montrer le cadre, si je puis dire, de référence, c'est-à-dire le ciel du côté des Iades, des Pléiades et de ces objets remarquables du ciel d'hiver?
Tout à fait. Juste avant, je vais revenir donc sur le livre que moi j'utilisais il y a quelques années pour les histoires de constellations. Donc, je ne l'ai plus là, mais je l'ai retrouvé. C'était un livre de Sylvie Vauclair, donc, qui est astrophysicienne, et qui s'appelait « Les constellations et leurs légendes grecques ». Voilà, c'était celui-là que je lisais à l'époque. Il y en a un que je suis allé chercher dans la bibliothèque si vous intéressez aux mythologies d'une manière générale, mais cette fois-ci de toutes les cultures et partout dans le monde. Je vous conseille « Mythes et mythologies ». Voilà, qui est là, Mythes et mythologies de Félix Guirand, qui parle de, justement des mythologies grecques, mais aussi germaniques, hindoues, chinoises, amérindiennes, africaines. Donc il y a plein de très chouettes trucs à faire là-dessus. Et voilà. C'est moi qui vais rajouter que dans le cadre du partenariat avec le ministère de la Culture, les nuits de la lecture vont permettre d'écouter justement certains textes qui sont d'origine mythologique et qui parlent du ciel, ciel miroir, des cultures. Voilà, je te laisse continuer. Merci. Du coup, on revient sur Stellarium et puis on va jeter un petit coup d'œil à ce ciel du soir. Donc justement, on parlait de la constellation d'Orion, on va un petit peu la laisser de côté. Et juste à côté, donc, il y a cette fameuse constellation du Taureau que vous voyez ici, constellation du Taureau qui en fait va représenter surtout sa tête et ses cornes. Et puis dans le corps du Taureau, eh bien, on va avoir un amas d'étoiles qui est vraiment visible à l'œil nu, qui est, Jean-Luc en parlait tout à l'heure, à l'œil nu, on en voit 6 ou 7. En fait, la constellation de la tête du Taureau, c'est en elle-même un amas d'étoiles, c'est-à-dire la partie qui est à gauche, hein, vraiment le museau du Taureau à gauche, ben ça c'est un amas qui s'appelle l'amas des Hyades. Voilà, avec l'œil du Taureau, donc cette fameuse étoile Aldébaran. Je vais vous enlever les lignes, voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'autour d'Aldébaran, il y a une concentration d'étoiles qui est un peu plus importante. Ça, c'est ce qu'on appelle des amas ouverts. En général, ce sont des étoiles qui sont nées à peu près au même endroit et à peu près au même moment, dans la même nébuleuse, et puis qui ont un peu épuisé tout ce matériel, et puis qui maintenant vont s'écarter les unes des autres et partir dans leur chemin, dans la galaxie. Donc à droite, les Pléiades, c'est un amas ouvert qui est encore relativement restreint, et puis ensuite les étoiles se dispersent et ça donne les Hyades à côté. Alors juste une petite chose, attention, Aldébaran qu'on voit ici, elle ne fait pas partie de l'amas des Hyades, en fait elle est juste entre nous et cet amas d'étoiles. C'est vrai que dans l'observation du ciel, c'est difficile cette trois dimensions, il y a les choses qui se mettent devant les unes les autres, on a l'impression qu'elles sont ensemble alors qu'en fait elles ne sont pas du tout ensemble. Et puis à droite, c'est très très belle, voilà, c'est très très bel ensemble qu'on a ici, les Pléiades. Alors les Pléiades, pareil, ça, dans certaines cultures, ça représente une constellation en elle-même. Pour les Grecs, ça n'en représente pas. Par contre, pareil, il y a des histoires aussi qui sont très sympas. Ces Pléiades, comme elles sont relativement faciles à voir dans le ciel, vous voyez, quand on les regarde comme ça, eh bien, l'histoire dit que chez les Romains, on se servait aussi des Pléiades dans les tests pour vérifier que les soldats étaient capables de devenir des archers, puisqu'en fait, on leur demandait la nuit, l'un des tests, c'était de leur demander la nuit de compter le nombre d'étoiles qu'il y avait dans les Pléiades, et s'ils en comptaient au moins 6 ou 7, ça voulait dire que leur œil était suffisamment fin pour les voir, puis s'ils en comptaient pas assez, en fait, c'était les tests ophtalmo de l'époque, c'était les Pléiades, voilà. Nous pouvons rappeler, Pierre, que Ciel Espace a publié un hors-série sur les constellations et les mythologies, et que vous pouvez vous le procurer, évidemment, sur le site Internet. On essaie un tout petit peu d'accélérer. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le ciel l'hiver, mais parmi les événements de cette semaine, et ça commence ce soir, on peut repérer des passages de la Station spatiale internationale. Oui, exactement. Allez, on va finir avec deux événements dont je vais vous parler, un pour aujourd'hui et un pour mercredi prochain. Voilà, c'est les deux dernières choses dont je voulais vous parler. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour ce soir. Donc, on va revenir au coucher du soleil. Voilà, donc on va laisser le soleil se coucher et on va aller très précisément. Alors là, il faut vraiment noter cette heure-ci, c'est 18h13 ce soir. Je vous le montre, hop, donc on arrive sur 18h13. Et en fait, à 18h13, eh bien, vous allez avoir, à côté de l'horizon, eh bien, vous allez avoir un petit point, vous voyez, en dessous de Jupiter, un point très lumineux qui va commencer à s'élever au-dessus de l'horizon à une vitesse
qui est pas nul. Alors, à l'horizon, ça commence à une vitesse qui est très faible, et puis ça va s'accélérer de plus en plus. Alors, je vais accélérer un peu le processus. Ce petit point traverse le ciel en environ 5 minutes. Vous voyez, donc là, je l'accélère un peu. Et en fait, ce point que vous allez voir, et qui ce soir, à 18h13, donc là, 18h14, va passer juste à côté de Jupiter et va traverser le ciel, eh bien ça, c'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS, qui traverse le ciel, en fait, en passant au-dessus de la France. Donc, elle apparaît toujours du côté ouest, et puis 4 à 5 minutes plus tard, eh bien, elle continue son tour de la Terre, et elle est passée déjà au-dessus de la France, et après, elle va passer au-dessus d'autres pays d'Europe et du reste du monde. Donc, n'hésitez pas, s'il fait beau chez vous, à jeter un coup d'œil à ça. C'est vraiment très, très émouvant de se dire que dans ce gros point brillant, eh bien, il y a des astronautes qui sont actuellement en train de travailler. Il y a quelques mois, il y avait encore Thomas Pesquet qui se trouvait ici. Et c'est quelque chose, là, pour le coup, on n'a pas besoin de télescope, d'appareil photo, c'est juste on se pose dans le jardin et on regarde la lumière réfléchie par le soleil sur les parois métalliques de la station spatiale. Alors pendant que je te laisse préparer ce qui va se passer samedi prochain, puisque c'est une conjonction ou en tout cas un rassemblement remarquable, Philippe, peut-être peux-tu nous dire un mot de ce qui va se passer aussi cette semaine en termes d'occultation cette fois-ci d'étoiles et en particulier celle que tu vas observer. Oui, j'imagine que Pierre va nous parler pour mercredi 26, n'est-ce pas, de l'occultation d'étoiles par la Lune, donc je n'en parle pas. Mais il y en a deux autres qui vont se produire. Alors, il faut un petit télescope, une petite lunette ou même une simple paire de jumelles. Il y a deux étoiles qui se trouvent dans la constellation des Gémeaux, dont on a déjà parlé, qui sont assez faciles à repérer et qui, pendant quelques secondes, quelques poignées de secondes, à 19h15 le 27, vont littéralement disparaître. Alors, ce n'est pas de la magie, elles vont disparaître parce qu'il va y avoir pour chacune un astéroïde qui va passer devant elles, un astéroïde moins brillant et donc qui va les éclipser, un peu comme quand la Lune passe devant le Soleil et qu'elle l'éclipse. Donc ça, c'est à suivre. J'ai mis en ligne hier un article qui vous permet de détailler ces observations, d'imprimer des cartes pour vous repérer parce que, évidemment, comme la mécanique céleste ne s'arrête pas, il vaut mieux s'y prendre à l'avance, on ne va pas la refaire. Hein. Donc, si vous manquez le train, il partira sans vous. Mais c'est assez spectaculaire, à mon avis, d'essayer de voir une étoile dans le champ d'une petite lunette tout d'un coup disparaître par la magie du passage d'une petite planète devant elle. Donc, il y a toutes les informations sur cet article, toutes les cartes de champ et tous les conseils pour essayer de capter ce phénomène. Ça, on retrouve ça sur le site ciel-espace.fr. Absolument. Pierre, la Lune occulte l'étoile double mercredi. Exactement. Voilà, je vous le partage. On est mercredi matin. Il faut se lever un petit peu tôt. Ce sera à entre 6h20 et 6h30 du matin. Voilà, juste avant que le soleil ne se lève. D'ailleurs, vous voyez sur la gauche, on a la planète Vénus là qui est en train de se lever. Alors, on la voit pas beaucoup, pas très longtemps avant que le soleil se lève. Et donc, à 6h30 mercredi matin, donc le 26, eh bien, si vous regardez la Lune, alors on va zoomer un peu sur cette Lune et ben vous allez vous apercevoir que juste à côté de la Lune, et on le voit à l'œil nu, eh ben il y a une petite étoile, vous voyez ici en bas à gauche de la Lune, une petite étoile, la Lune elle est en croissant mercredi, et en fait il ne s'agit pas d'une étoile, mais si vous avez une paire de jumelles, vous verrez qu'en fait eh ben vous avez affaire à deux étoiles. Ces deux étoiles, alors elles portent un nom qui est assez joli, elles s'appellent Zoubenelgenougi. Voilà, alors ça, ça vient des Arabes. Les Arabes ont donné beaucoup, beaucoup de noms aux étoiles. Et donc, ça, c'est un nom qui signifie la pince du scorpion, parce que ce n'est pas très loin de la constellation du scorpion. Et donc, si vous regardez mercredi matin, on va accélérer un petit peu le temps. Voilà, et on va voir que minute après minute, eh bien, cette étoile double, hein, puisqu'il s'agit de deux soleils qui sont physiquement reliés l'un à l'autre par leur gravité, eh bien, cette étoile double va petit à petit passer derrière
la Lune. Alors, c'est un effet de perspective, hein. Il ne s'agit pas là d'étoiles qui se déplacent vers la Lune, c'est en fait la Lune qui, elle, tourne tout doucement autour de la Terre et qui va se déplacer comme ça devant les étoiles. Et donc, assister à l'occultation d'une étoile ou d'un ensemble d'étoiles par la Lune, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent, en tout cas à l'œil nu. Et c'est pour ça que c'est un phénomène que je vous propose d'observer si vous êtes un petit peu passionné du ciel à cette époque-là. Voilà. On l'est, c'est subtil, c'est original, c'est toujours très beau. Et je te laisse, Pierre, nous montrer le must, j'ai appelé ça le must de la fin de la semaine, mais samedi 29, donc c'est à la fin, c'est la dernière journée, si je puis dire, des nuits des étoiles d'hiver, mais vous savez, vous pouvez continuer à observer le ciel sans aucun problème. La Lune est en conjonction cette fois-ci avec Mars à l'aube, à 5 degrés, pas loin, oui. Il y a Vénus, et sur sa gauche, Mars. On peut peut-être le regarder ? Tout à fait. Et alors, on va faire ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on part samedi matin aux alentours du 29. On va arrêter le temps. Voilà. Hop. Et alors, pardon, samedi 29. Alors, moi, c'est plutôt vers 7 heures du matin, on revient. Ça se joue vraiment juste avant le lever du soleil. Alors là, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que Vénus et Mars étaient en train de se lever. Si vous attendez quelques jours de plus après mercredi, la Lune se déplace autour de la Terre et elle vient s'aligner avec Vénus et Mars qui sont déjà, elles aussi, toujours en train de se lever. Donc là, vous avez un très, très fin croissant de Lune qui sera donc quasiment alignée avec la planète Mars et la planète Vénus. Tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on fait pour reconnaître Mars et Vénus. Alors, quand on a l'habitude, avec la couleur et la luminosité, on arrive à le savoir. Une bonne manière de savoir qu'il y a une planète, c'est quand on connaît bien nos constellations et qu'on s'aperçoit qu'il y a un truc très brillant dans une constellation, mais comme on la connaît, on sait qu'il n'y a pas d'étoile brillante à cet endroit-là. Et dans ce genre de situation, vous êtes quasiment sûr que c'est une planète. Après, vous pouvez le vérifier avec des planétums virtuels, comme par exemple celui-ci, il y en a plein d'autres. Alors là, il nous faut un horizon sud-est qui soit parfaitement dégagé. Très dégagé. Très dégagé, très clair. Hein. Le soleil va se lever peu de temps après. Alors, c'est intéressant de repérer Mars parce que l'année sera martienne. Hein, ça ne paraît pas, mais l'année sera martienne pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'opposition martienne à la fin de… c'est en décembre 2022, donc à la fin de l'année, opposition martienne, c'est-à-dire dans un axe… Soleil, Terre, Mars, la Mars est au plus près de la Terre. Et puis, c'est aussi, en termes, cette fois-ci, spatial, Émilie, un rendez-vous qu'on va suivre dans Ciel-Espace avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. C'est le lancement de la sonde européenne ExoMars, donc faite avec les Russes, avec un objectif… ajouter un explorateur robot supplémentaire à tous ceux qui sont déjà posés à la surface et tous ceux qui tournent autour. Mars, toujours le même fil rouge sur lequel on continue d'insister aujourd'hui. Oui, je parlais de l'auberge espagnole tout à l'heure. La boucle est bouclée. Tu parlais des deux raisons. Donc, elles sont liées, évidemment. L'opposition martienne, c'est une configuration de la mécanique céleste qui permet de profiter de proximité qui fait qu'on peut envoyer une sonde sur Mars en un minimum de temps, en l'occurrence 9 mois. Donc, le départ est prévu pour le 20 septembre, si je ne m'abuse, à Baïkonour, au Kazakhstan. Et donc, tous les voyants sont au vert. Donc, je fais un petit point d'actu. Effectivement, l'Agence spatiale européenne a communiqué très récemment dessus. En disant que les tests avaient été tous réussis. Elle teste ses performances LESA à Turin, où elle a installé une réplique du rover. Réplique, donc, parce que le rover s'appelle Rosalind Franklin, elle a nommé sa réplique Amalia. Alors, petite anecdote, en hommage à Amalia Ercoli-Frinzi, qui est une astrophysicienne italienne qui a notamment conçu la foreuse de l'atterrisseur Philae sur Rosetta. Rappelez-vous, c'était il y a quelques années. Et du coup, je rappelle que Rosalind Franklin était, elle, une experte en biologie moléculaire. On lui doit des travaux pionniers en matière de découverte de la structure de l'ADN en double hélice. Mais le prix Nobel pour cette découverte de l'ADN en double hélice a été attribué uniquement à Watson et Crick. Voilà. Donc, merci beaucoup à LESA, au passage, pour
Rosalind et pour Amalia. Donc, je disais, tous les tests sont réussis. La foreuse a été testée avec succès, le déploiement du parachute, la descente du rover de sa plateforme d'atterrissage. Bref, l'ESA est confiante et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se jouent avec cette mission. Tu dis tout à l'heure, Alain, il y a l'atterrissage d'abord. C'est-à-dire que si l'ESA réussit à poser Rosalind, elle fera de l'Europe la 4e puissance spatiale à réussir un atterrissage d'un engin sur Mars. Je vous laisse peut-être en commentaire en premier. Si vous les connaissez, je les donne. Donc, la Russie, bien sûr, les États-Unis et très récemment, la Chine avec le rover Juron. Donc, l'Europe n'a pas encore posé d'engin sur Mars. Donc, elle a d'autant plus de pression que la dernière tentative a échoué. Parce que le programme ExoMars, il est en deux parties. Il y a une première partie qui s'est faite en 2016. À ce moment-là... On a perdu ta vidéo, Émilie, je pense. Nous t'avons perdu, Émilie. Pourtant, tu n'es pas sur Mars, mais on a compris l'essentiel. On suivra, bien sûr, le départ d'ExoMars, l'arrivée de la sonde, on l'espère, à la surface de la planète. Il y avait quelqu'un sur le chat qui disait qu'on souhaitait Désolé. Plus de réussite que Schiaparelli, en tout cas. Ah, oui. Voilà, Émilie est revenue. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, mon écran non s'est plus. Éteint. Voilà, donc je disais gros enjeu parce qu'il faut que l'ESA réussisse parce qu'elle a échoué la dernière fois. Et ensuite, évidemment, gros enjeu parce qu'elle a quand même vendu cette mission comme un tracker de vie. Voilà. Un tracker de vie avec une foreuse qui ira chercher ce qui se passe dans le sous-sol martien. Et ça, on le verra à la fin d'année. En fait, Pierre, tu avais déjà le texte d'Émilie à disposition. Merci Émilie, merci Pierre. Merci Philippe, merci Jean-Luc, merci Adrien. Je remercie aussi toutes les équipes et l'équipe de l'Association française d'astronomie sous la direction d'Éric Pienoël qui va animer pendant toute cette semaine les sites alors, par les associations, par les clubs, mais aussi par Internet où vous pouvez télécharger des programmes qui vous permettent de préparer ces observations. Vous retrouverez Ciel et Espace, bien évidemment, en kiosque. Sans oublier, j'avais oublié de le citer, mais il est extrêmement important pour toute l'année, c'est l'almanach du ciel, c'est-à-dire le programme, le menu de tout ce qui est observé dans l'année. Et il est extrêmement riche, bien évidemment, que ce soit pour le ciel d'hiver, de printemps, d'été ou d'automne. Et puis, comme ce ciel est libre, ce ciel est gratuit et ce ciel est… je dis souvent, c'est exactement comme quand vous êtes un jardinier et que vous aimez montrer le jardin à vos copains. Vous les emmenez dans le jardin, puis vous commencez à les promener dans les allées, à leur montrer les fleurs, les plantes. On apprend les noms de ces roses, on apprend les noms de ces tulipes au fur et à mesure du temps. Je dirais que l'astronomie, c'est la même chose, c'est-à-dire que on n'appuie pas sur un bouton et on apprend les choses d'un seul coup. Il ne se passe pas des choses dans le ciel de façon programmée. Il faut apprendre à voir, à regarder, à avoir le temps, et puis lire, comprendre, rencontrer d'autres personnes. Et c'est l'occasion donc qui est proposé pour ces nuits des étoiles, qu'elles soient d'hiver ou d'été, de retrouver quelques personnes qui connaissent bien le ciel, qui vous le montreront à l'œil nu avec des télescopes ou de façon aujourd'hui dématérialisée sur Internet. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont supportés pour permettre de réaliser cette émission et ces nuits des étoiles. Eh bien, bon vent sous le ciel. Salut. Au revoir. À bientôt, au revoir. C'est bon, je pense que là, oui.